qui se passe. Vos prestations CAF, contrôle de votre dossier. Enregistrement de vos ressources trimestrielles ou d'un changement de situation professionnelle, nous avons besoin d'informations complémentaires pour le trimestre de août 2017 à octobre 2017. En l'absence de réponse de votre part, le versement de votre prime d'activité sera interrompu. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Merde! Aujourd'hui, on va parler sécurité routière avec un clip japonais totalement psychédélique. Dans cette vidéo, il y a une situation que vous n'avez pas compris avec une passion d'image. Nigmatov, rouler la nuit sans lumière en vélo, c'est pas bien. Tu vas te faire rouler dessus par une voiture. Réaction en conséquence du personnage blanc. Marcher bourré dans la nuit, c'est pas bien. Tu vas te faire écraser par une voiture. Réaction en conséquence du personnage blanc. Réaction du personnage blanc, s'il vous plaît. Courir la nuit, c'est pas bien. T'es pas bien de courir la nuit. Y a poil qui veulent te vendre de la drogue. N'importe quoi. Allez, les Grimrock 2, c'est maintenant. On lance, est-ce que tout est config? Grimrock 2 de l'enfer, ok. On va charger la partie et c'est bon, c'est tout bon. Alors, on va mettre tout de suite le jeu, le petit jeu où est-ce qu'il est? Il est là. Est-ce qu'il y a le loading à l'écran? Non, il n'y a pas le loading à l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Si, apparemment c'est bon. Nous sommes OK, le desktop audio est OK. Est-ce qu'on pourrait mettre le petit logo? Le petit logo, il est où? Le petit logo transformé, centré sur l'écran. Ah, voilà le petit NIG. Le petit logo NIG. Très bien. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, ici Bob Lennon. Non, je déconne. J'aime bien faire cette blague. Bienvenue pour la suite de Legend of Grimrock 2. Je sais même plus ce qu'on avait fait hier soir. On avait trouvé un nouveau passage vers les archives et puis on s'était arrêté dans cette pièce. Et je suis surchargé et j'ai pas de son. Comment ça se fait que j'ai pas de son dans les oreilles? Je vais peut-être chercher mes écouteurs. Où est-ce qu'ils sont mes écouteurs? Je vais voir. Je sais pas où ils sont. Ça y est, j'ai mes écouteurs, voyez-vous. J'ai mes bons écouteurs. Et nous avons Kenny TV. Nous pouvons remercier Kenny TV pour son sub. Le sub de Kenny TV. Mais il faut que je mette, comme tu dis, un bouton donation. A donation button. Est-ce qu'on met la petite cam?
T'as ma petite cam, elle est à chaque fois elle est configurée pour le 1080p. Et comme je repasse en 720, ça ne fonctionne pas bien. Alors on va mettre tac tac tac. Alors la petite cam. Je vais ramener ma lumière et on met la cam. The camera. Oh oui, la cam. Voilà. Ah, par contre, il faut que je réactive le... Désactiver, activer. Merci. Bonsoir, bienvenue. Petits écouteurs. Le chapeau, bien sûr, le chapeau, bien entendu. Nous sommes en aventure. Attends, chemise d'aventurier et tout. On va se mettre où? On va se mettre en bas. Comme ça, sur les armes, comme ça, vous ne voyez rien. Et nous avons The Trou qui vient d'arriver. The Trou. Le trou, trou. Voilà, on va se mettre en bas à gauche. Putain, je suis exténué, j'ai tellement mangé. Pouf, j'ai peut-être trop mangé. Bon, qu'est-ce qu'on a avec lui? Il est surchargé, non? Ah ouais, il a 51, 54 kilos de chargement et il ne peut tenir que 51 kilos. C'est de la faute à quoi? De la faute à la pelle qui sert à rien? Non, la pioche, comme disait le Smilly. Nous jetons la pioche au sol qui ne sert à rien. Nous sommes à 49 kilos. Ben non, pourquoi? L'eau de 54? Pourquoi? Ben non, pourquoi il est vert alors? Bah, je comprends pas son truc là. Ah, c'était juste un symbole pour dire qu'il était un petit peu plus lent. Jette ensuite la petite dague. La petite dague. Mais le truc. Ah oui, jette la petite dague. T'es quoi? T'es dispo? Pourquoi? T'es dispo. Ah oui, d'accord. Il fait t'es dispo. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez. C'est pas le moment de me faire rire. Je suis en plein donjon là. J'essaye de me concentrer. Je vais monter mon son. C'est quoi ce bruit? Il y a le bruit d'un. Tu passeras pas, hélas, c'est-à-dire. Passerait pas quoi. Et demain on va faire d'autres jeux d'ailleurs. Demain on va faire les Special Events, le festival des jeux. C'est comme l'année dernière, c'est sur Steam, vous avez plein de jeux qui sont en cours de développement. C'est horrible les bruits là-dedans. Est-ce que vous les entendez bien les bruits là? Les bruits bien dégueulasses. Salut Captain! Je suis en train de dire, c'est comme l'année dernière sur Steam, vous avez le festival des jeux. Et vous avez en conséquence les développeurs qui font des lives sur leurs projets en développement. Et en plus, ils fournissent des versions de démos pour que les gens puissent essayer les futurs hits. Et c'est comme ça que j'avais découvert Curious Expedition 2. Et là, il y a une tonne de jeux à essayer. Donc demain, on va se faire ça. Oh! On va se faire des petits jeux demain. Oh! Mais c'est quoi ça? Arrêtez! Il me fait peur là. Putain, mais non, il me fait péter un câble. Fuyons! Putain, j'ai son tellement fort dans les oreilles. Mon Dieu! Ah, mais merci, Reg! Putain, tu me fais du stress, là, le truc de ouf! Ah, et puis j'ai... pour l'info, je suis mort dans Curious Expedition. J'ai tenté
Expédition niveau 3, super hard, on est tous morts. Il faut tout... Tu perds tout en fait, tu meurs de façon permanente dans Pyrus Expedition 2. Alors faut que je refasse tout. Tu viendras pas mon pote. On va l'attendre, on va l'attaquer de façon physique. Et voilà. 27 mois. Et ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais... tu peux pas... Les persos... C'est un peu comme un... Un Darkest Dungeon. Ton perso, il meurt, c'est fini. Et là, dans Curious Expedition, je dois reprendre un nouvel explorateur, tout recommencer de zéro par rapport au personnage, mais par rapport à l'histoire du jeu, parce qu'une petite histoire, tu restes au même point. C'était tellement dur. J'avais des combats avec des énormes loups qui attaquaient deux fois par tour. Alors je me suis fait détruire. Sinon c'était bon. Je pense que ça pouvait passer. Surtout que j'avais un cuisinier. Donc c'est bien, j'avais le chien qui produisait des dindes tous les 24 jours. Et puis je pouvais les cuisiner. Alors est-ce qu'il y a le loose rock par là? Pourquoi ils nous mettent des endroits comme ça avec des caisses? Je ne sais point. Alors, par là, il y a quoi? Ah, il y a du bruit par ici. Il n'y a personne. Alors on a un chemin à droite où on va aller par là-bas. Par ici. Param pam pam pam. Oh, il y a quelqu'un là. On va peut-être dormir quelques secondes pour restaurer le mana du perso là. Ou on va prendre une potion. Je suis sûr. Ah, oh là! Nous avons un crabe. Merde. Oh, zut. Putain, mais c'est hyper solide ça. Une saleté de crabe. Il fait le malin en plus. Yes, ça y est. Save souvent. Ouais. Bah plus loin, ouais, save. Bernard est en train de starving. On a des trucs à bouffer ou pas? Ouais, c'est bon. On va faire une petite save. Alors. Voilà, save, ok. Alors, est-ce qu'il y a de la neige chez vous? Oh! Parce que ici, c'est prévu dans la nuit. Merde. Oh non, je suis blessé. Et pourquoi je peux pas bouger là? Oh merde, parce que il est blessé à la jambe. Merde, c'est pas ça le code.
Ah, ça c'est chiant, on revient sur le code. Voilà. Et je me dis, il vaudra mieux avoir dommages de feu. J'ai l'impression que l'électricité, c'est vraiment pas terrible. Ah, peut-être contre les gens en armure. C'est bon. Non. Ah, il y a de la neige. Bah oui, mais non, mais Redge, il est à Brest. Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être pas dû le dire. Merde, tant pis. La Bretagne. Qu'est-ce qu'on prend comme skill? Air magique, il faudrait que je prenne la liste des scrolls. Je vais aller voir. Liste des scrolls, liste des scrolls, liste des sorts. Spell list. Spell list Grimrock 2. Alors. On a les Ice Shards. C'est Water Magic 1 et Earth Magic 1. Water Magic 1. Earth Magic 1. Alors. Water Magic 1. Earth Magic. Mais j'ai Air Magic à 5. Peut-être que j'ai un truc avec Air Magic fort. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose avec le air magique à fond. Water spell, fire spell, earth spell, air spell. Air magic 4, le lightning bolt. L'invisibilité. On peut être invisible. Ouais, bon. On a quoi? Le shock shield. Oh, c'est nul. C'est pourri en fait. Il n'y a pas beaucoup de sorts. Hein. Ben, on va partir sur le water spell. Magic 1 et Earth Magic 1. Magic 1, Earth Magic 1. Ah oui, augmente l'alchimie. Pas de neige chez nous en Haute-Savoie. Si tu veux de bonnes potions. Ok. Ouais, ok. C'est fait. Là, pourtant, c'est bizarre en Savoie. Pourquoi il n'y a pas de neige? D'habitude, c'est souvent qu'il y a là-bas des phénomènes froids. Bon, on va save, comme nous avait conseillé le Smilly. Concentration aussi pour les mages. T'as refait un stream, Smiliman, aujourd'hui? Parce que j'ai cru voir que t'avais streamé Grimrock. Bon, ici, nous n'avons qu'une torche que nous allons récupérer. Non! Je me disais bien, pourquoi une pièce vide comme ça? Et nous avons trouvé un secret qui nous donne des flèches. Enfin, des carreaux, on s'en fout. Et Mirror Chest Plate, ça donne quoi ça? Déjà, on va jeter aussi les feuilles, là, ça sert à rien, ça, c'est feuilles. Alors, le Mirror Chest Plate, c'est protection plus 8, résistance à tout plus 5. Eh ben, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai. Magnifique. Protection 22. Donc on va donner ça aux gars de derrière là. Ils ont rien de rien eux. Voilà, parce qu'au niveau du matos, ils étaient en haillons. Ah, j'ai même ça, j'avais pas mis. Oh, il y a force plus 4 avec ça. Putain, j'ai pas vu force plus 4 avec le Beer Skull. Beer Skull Helmet. Voilà. Mais c'est génial. J'ai même pas vu mon équipement. Et là, on est à 10, 30, 30, 78, 32, 84. Mais c'est mieux! Mais il faut que je regarde un peu mon équipement. Et j'ai aussi une Neklas. Willpower, c'est quoi Willpower? C'est la volonté. Bah tiens, je vais donner ça à lui. Est-ce que j'ai d'autres choses en matos? Non, c'est bon. Excellente armure! Donne l'armure. Ouais, j'ai fait un
Bah c'est un mage. Enfin, tu es un alchimiste si tu veux. Mais c'est un mage hein, quand même. On va le donner au meilleur mage. Voilà, j'ai pas de petit short là. Vitalité, tiens. On va donner ça à lui. Voilà. On est bien. Willpower égale magie. Bah non, parce que willpower, c'est la force de volonté. Normalement. La willpower. Ah ouais. Donc la force de volonté, ouais, c'est l'énergie. D'accord. Bon, on va donner ça à lui. Excellent. Très bien. Bien joué. Le smili. La porte est fermée. Donc ça ne nous donne pas grand chose. Juste un point d'observation. À moins qu'il y ait une nouvelle loser rock pour ouvrir cette grille. Mais je n'en vois point. Donc, on retourne sur nos pas. On va peut-être sauvegarder une nouvelle fois parce que... t'as pas bu la potion. Non, c'est du permanent. J'ai pas regardé. Potion de force permanente, lit, effectivement. Bah, je donne ça au Minotaur. Allez, hop. Boum. Dégâts 32-85. Alors que l'autre, il est en dégâts 10-31-15-37. Très bien. On va faire le tour parce que j'ai peur que si j'avais sur le levier directement, il y a un piège. Alors là, c'est où il y avait le crabe. On est encore devant des énigmes. Il y a plusieurs grilles. Un téléporteur au centre. Et en face... On a un chemin avec une pierre. Je vérifie tous les murs, hein, qu'il n'y ait pas de loose rock. Là, on peut descendre. Mais c'est un vrai labyrinthe. Ils se sont déchaînés, les développeurs. On a un cristal qu'on va utiliser. Est-ce que je poursuis? Est-ce que je résous le... Je vais plutôt résoudre au lieu d'avancer en continu. Je vais aller voir ce qu'il y a en bas. Là. En bas, nous avons des plombs. Il y a visiblement une bouche. Ah, une... Cool. Une épée longue. Ah, mais j'en ai déjà deux. Ouais, c'est même pas intéressant. Bonus de dextérité, bonus de force. Non. Donc ça, je pense que... Ah, il y a un bâton. Oh, le piège! C'est encore un piège à la simili. Le truc d'hier, là. Alors, c'est quoi ça? Lightning Road. Ouais, ça peut être cool. T'en as déjà utilisé ça, Smilly, ou pas? Des bâtons comme ça de magie? Est-ce que ça vaut le coup de le garder pour le boss de fin si jamais il y a un boss ou je peux utiliser ça en mode gaspillage, on s'en tape. Qu'en pensez-vous? C'est bien, ça peut servir. Bon, je vais les garder de côté alors. Mais l'ambiance, elle est toute calme, là. On pourrait dormir. Ah, on peut recharger les bâtons. Très bien. On pourrait dormir paisiblement dans le donjon de Grimrock.
On va revenir à l'énigme d'avant. Bon, ça c'est quoi? Si je lance une roque, ça va jamais tomber là-dessus déjà. Prenons le portail. Ah, bah déjà je peux pas aller dedans. Ah, il y a un bouton. On appuie sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça fait rien du tout. Le bouton n'a pas l'air d'avoir de fonctionnalité pour le moment. Je vois pas pour l'instant l'intérêt de cet endroit alors. Je vais quand même essayer, est-ce que je peux mettre un objet ou pas? Je pense pas. Ouais non. Est-ce qu'il y a un bouton sur le mur? Ah putain, il y a une super massue là-bas. Ah, peut-être là-bas je peux le lancer? Non. Je peux même pas... Et ça? Non, on peut rien lancer. On ne peut rien lancer à travers le grillage, sachant qu'on a une dalle de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Bah, on peut rien faire. Le bouton ne fonctionne pas, tout est fermé. Le portail, lui non plus, ne mène à rien. De façon objective, je pense que... Bah, on passe notre chemin. Peut-être qu'on aura... quelque chose plus tard. Allez hop. On fait une petite save. Et en avant pour la suite du niveau. Ah, peut-être qu'on va arriver derrière là. Au niveau de la carte. C'est quoi ce bruit? C'est bizarre comme bruit. Y a-t-il une loose rock sur le mur? Non. Oula, c'est quoi? Vous entendez le bruit? C'est quoi? C'est des mouches? Oh, il y a une loose rock! Je vais bien de regarder partout. Holy shit! Descends, tu vas voir. Petite surprise. Je me suis fait toucher. Je vais l'attaquer au cul. Voilà. Coccinella level. Alors Coccinella... Bah, on continue la concentration, je pense. À moins qu'elle puisse avoir une meilleure... Tu disais le météore. Météore, c'est quoi? C'est Magic 5. Fire Magic 5 et Air Magic 3. Je pourrais. Ou alors monter la concentration. J'ai bien envie de monter la concentration. Pour qu'on pourra... Non, vas-y, on va monter Air Magic. On va aller au météore, allez. D'accord, ce météore, ça bouffe tellement de mana. Alors, qu'est-ce qui nous a libéré au niveau du secret? Secret found! Crystal Shard of Protection. Protège l'équipe contre les dommages physiques pendant 40 secondes. Superbe! Bah, je vais garder ça si jamais il y a un boss de fin, je sais pas du tout. Comme ça, on aura double bâton de magie. on pourra tirer comme un machine gun. Et en plus, on aura protection physique. Il faut bien guetter les loose rocks. Mais il y a des trucs là-dedans, c'est pas possible. C'est Fort Boyard le truc. Mets ta main dans la jarre et découvre ce qui va entre tes doigts. Bon, va ouvrir une porte. Mais ça va ouvrir les deux portes, je sens bien. C'est...
C'est pile au milieu, tu vois. Il y a deux portes, t'entends des trucs qui dégoulinent à droite. Et... Tonton, c'est prêt à te bondir sur toi. Je vais sauvegarder. Et je vais prier. Bien que j'ai peut-être une idée. J'ai une idée. On a un sort qui pourrait nous aider. Le Force Field, ça crée un cube indestructible devant l'équipe. Comme ça, on va bloquer un passage. Alors, la clé, elle est où ? La clé, s'il vous plaît. Ben, elle est où, la clé ? J'en ai une, normalement. Elle est là. Attention. Merde, ça n'a pas marché. Oh ! Bah lui, toi, fais-le. Mais putain, mais j'avais réussi. Ça a marché pourtant la dernière fois. Pourquoi il n'y a plus... C'est pas possible. Putain, je suis bloqué. Là, j'aurais pu ouvrir derrière moi. C'est mort. On va le refaire. Merde, j'ai pas fini le contour. Faut que je fasse tout le contour. C'est quoi ce bordel? Je l'ai déjà fait pourtant le contour. J'ai tout le tour. Ah, faut que je remonte là-dessus. Ah ouais, ok. Bah non, ça marche pas. Mais normalement, c'est ça en plus. Ah, lui, il y arrive. Ouais, mais c'est débile. Ah ouais, non, si, faut que je relie toutes les runes. Et là, je peux faire un blocage. Ok. Je vais faire ça. Pas bien. On va faire ça, c'est parti. Enfin, je pense que je vais courir, je vais les bloquer. Enfin, je bloque une des deux portes pour affronter. Faut pas affronter les deux en même temps. Après, je pense que mes meilleurs pronostics de survie seraient avec l'ouverture de ça. Je vais aller voir s'il y a quelque chose déjà par là. Est-ce que je peux me réfugier ici? Si jamais il y a le crabe qui arrive. C'est ça le truc. Ok, donc c'est plutôt libre. C'est bon. Je suis revenu au début en gros. Très bien. Donc on va préparer... le cube. Bien, j'aurais pas vraiment besoin. Go. Voilà, on le stoppe. Le temps. Ah, mais c'est génial. C'est plutôt excellent. Ça a libéré le crabe, il s'est barré. Vite, allez, deuxième sort. Merde, il starving, l'autre. Ouais, je referme. Merde! Ah, la poisse, t'as, j'ai eu peur. Putain, il m'a foutu les boules. Les boules. Casse-toi là. Je déteste les mouches.
Ah bah, one shot. T'as même pas mort. Putain, j'ai fait l'attaque spéciale, tout pourri quoi. On sort les hurlements barbares. Ça y est, c'est clear. Mais c'est quoi tout droit? Je suis pas allé par là? Bizarre, j'irai plus tard. C'est là où j'ai open les... Ouais, c'est là. Donc, ça nous donne accès à quoi tout ça? Ah! Une loose rock qui ouvre un passage vers la seconde pièce. What the fuck? Oh, Tom of Fire, c'est quoi ça? Resist Fire plus 20. Bah, je vais donner ça aux gars qui sont devant, pas les gars derrière. Un cristal de rechargement. Est-ce qu'il y a une autre loose rock? Ouais, cool. Et alors en bas, il y a quoi? Des lockpicks, comme on dit. Et il n'y a pas d'autres loose rock. Cette pièce, elle avait pas trop d'utilité. Hein. Comment va le sim? Alors, est-ce qu'il y a de la neige chez le sim? Ah, je sais même plus si le sim, il est en France. Il est peut-être pas en France, le sim. Il est pas en Australie, à un moment. S'il est homme de feu, c'est trop fort. D'accord. Ici, on n'est jamais allé. Je peux marcher. Je ne peux pas voler. Mais tain, ils sont encore en train de starving. Ah, Belgique. Je suis le plus fort. Je suis en vie. Ah, c'est une énigme avec des items à poser. Pour ouvrir cette porte vers le lexiconari. Ah, je pense que c'est encore un secret, ça. Ah non, il y a le bruit d'une gemme. Je pense que c'est l'inverse. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas voler. Je sais pas. Je peux marcher. Je peux marcher, je peux marcher des bottes. Je ne peux pas voler le caillou. Ouais, c'est des... J'aurais bien mis les bottes, ouais. Je ne peux pas voler, tu mets un caillou. Ah ouais, je ne peux pas voler. Je suis le plus fort. Le plus fort, c'est quoi? C'est une arme? C'est... Je sais pas, je vais mettre une arme. C'est rien, une arme. Est-ce que j'ai une arme? Je vais mettre une dague, je suis le plus fort. Je suis en vie. Je suis en vie de la nourriture, peut-être? Ou je suis en vie, je suis mort? Non, ça marche pas. Non, c'est pas ça. Je suis le plus fort. Là, je vois pas le...
Mais je recommande la doudoune du 1er janvier au 31 décembre. Moi, je suis en t-shirt. Je suis en vie, je suis le plus fort. Peut-être un heavy weapon? Non. Je suis en vie. Si, attends, on va tester un weapon et puis on va mettre un crâne pour voir. Je suis mort. Non. Je vais peut-être aller voir la soluce pour pas perdre de temps sur l'énigme. Je suis le plus fort. Je ne vois pas. Je suis en vie. Ah, je suis en vie, peut-être le temps. Le temps, c'est la vie. Non. Je vais aller voir une soluce. Grimrock 2. Solution. Alors, nous sommes ouf. Je pense que j'aurais jamais fini ce jeu sans Solus. Enfin, j'aurais arrêté avant. Lexiconari, je suis en quelle pièce? Une pièce rectangulaire. Ah, voilà. Ah non, mais il faut... Oh non, je vais pas voir ce qu'il faut. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Ils disent que je suis le plus fort, il faut mettre une figurine d'ogre. Et pour obtenir la figurine d'ogre, il faut placer les items appropriés dans les niches près de l'entrée. Ils sont 4-1. Et en 4-1, c'est le lieu du 4-1. Ah bah, je vais vous montrer si je peux, tiens. Comme hier, je vous montrais le... Attendez donc... Ah bah voilà, ça se met directement. Donc le lieu du 4-1, c'est ça. Faut aller chercher la figurine là-bas. Et nous sommes ici. Donc faut partir en haut, tout en haut là. Ouais, faut partir en haut à gauche. Bon, on s'en va. On reste pas là. Ouais, faut récupérer les objets dans le niveau et les placer ici. Donc, ça sera pour plus tard. C'est un cul-de-sac. Il faut partir au nord-ouest, là. Faut retourner au cristal. Ou alors, on peut explorer par là. Je sais pas ce qu'il y a par là. Je regarde sur la soluce. Si on va à droite, on a tous les items du 9-1. Alors, il nous faut le 9-6. Ah, le 9-6, peut-être que on en a besoin. La skeleton figurine qu'on trouve à droite aussi. Donc, on va prendre soit sud-est, soit... Ah, je vais éternuer, attendez. Non, c'est bon. Je vais pas défoncer le micro. On peut prendre soit sud-est pour récupérer un nouvel item... Soit on part nord-ouest pour récupérer un autre item. Donc il y a deux routes qui s'offrent à nous. Les deux seront bénéfiques pour la suite de l'aventure. Donc on va prendre le plus proche. À savoir donc le sud-est. Et c'est posé, n'empêche, ce jeu. C'est tranquille. Hein. Première pièce, une échelle. Deuxième pièce... Un petit cul-de-sac. Est-ce qu'il y a une loose rock? Il n'y a pas de loose rock. Loose rock non. Non plus. Ouais, c'est quoi ça? C'est un spectacle de Jean-Michel Jarre. Son et lumière. C'est ça en plus. Oh non, c'est encore une énigme avec un... Oh non!
Il y a une guêpe. Je t'ai entendu, la guêpe. T'es où? Ouah! Elle est derrière, là. Il y a une guêpe qui est placée juste derrière, on l'entend. Ah, ce pont... Avec ce pont, on peut actionner la dalle. Il y a quoi tout en bas, là? En bas, c'est pour bouger les choses. Et en les bougeant, on change le schéma du pont. C'est ça. Très bien. Il n'y a pas de loose rock en bas. Plus je me déplace, plus mes persos ils ont besoin de nourriture. Ça va être compliqué quand j'aurai plus de bouffe. Et par défaut, on peut pas aller dessus. Ok. Je peux pas les actionner là? Ah si, voilà. Et celle-là, on peut pas la bouger alors. Celle-là, elle est au centre, elle est imbougeable. Alors, il faut réfléchir. Si je suis du pont là, je monte là-dessus, faut forcément que ça bouge là. Ou alors, c'est une illusion. Parce que si je bouge ce cube, je fais le tour, je le ramène là. Je peux monter dessus. Ah ouais, mais je suis obligé de faire ça, effectivement. Est-ce que je peux pas marcher en diagonale? Fais voir. Ouais, mais il manque une pierre, là. On peut pas bouger celle qui est au milieu là? Non, elle est bloquée celle-là. C'est quoi cette énigme? Parce que si je mets les pierres là, de toute façon, je peux juste faire ça et je vais là. Ou alors, il y a une loose rock pour faire apparaître un pont supplémentaire. Et je l'ai pas vu. Mais j'en vois pas. Comment je peux faire? L'idée c'est d'arriver en face. Je peux pas marcher en diagonale. Alors là je sèche. Tu peux pas marcher en diagonale donc. Je suis bien évidemment de placer une brique. Je vais placer une brique là. Une brique là. J'ai pas d'autre choix. Est-ce que je peux les déplacer d'en haut, peut-être? Je peux appuyer dessus, là? Non, je peux pas appuyer dessus. Ah, mais tain, j'ai oublié la plaque, là. Mais oui, c'est ça. Faut que je mette le cube ici. Faut que je mette un cube là. Mais non. Je pourrais pas. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux poser un truc à travers la grille? Ça marchait pas tout à l'heure. Ah si, c'est bon. Alors là, ça nous a fait quoi, ça? Putain, ça servait à rien. Génial! Je me dis, on va se débloquer, mais ça sert à rien. Ah si, peut-être que ça a débloqué le mouvement de la salle du centre, peut-être? Non, même pas, putain. Je rêve. Thank you.
Putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais peut-être donner ma langue au chat, je vais sauvegarder. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, moi je vous dis? Actionner. Ou alors il y a deux dalles. Il y a peut-être deux dalles à actionner. Je n'ai actionné qu'une, il y en a peut-être une autre de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un. Bah non, je peux pas aller de l'autre côté. Putain, le casse-tête! Bon bah je donne ma langue au chat, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Est-ce que c'est une histoire de Loose Rock ou pas? Je vérifie sur la carte. Ouais, je suis au bon endroit. Alors ils disent... Ils disent quoi? 9-1. Une pièce avec des pierres de gravité. La première chose que vous devez placer... quelque chose sur une des deux plaques. Mais voilà, donc il y a deux plaques, effectivement. J'ai juste pas trouvé la deuxième plaque. Sauf que la deuxième plaque... La deuxième plaque, en fait, on l'atteint pas par là. Oh non! En fait, la deuxième plaque, elle est pas située là. Faut faire le tour par là. J'ai zappé ce passage, voilà. Ah ouais, voilà, j'ai zappé. Et voilà, il y a une deuxième plaque là et c'est bon. Tout simplement. C'était pas compliqué, c'est juste que j'ai pas trouvé la deuxième plaque. J'étais sur le bon cheminement. Alors là, est-ce que je peux résoudre l'énigme du coup? Avec les deux plaques activées. C'est là que ça m'a rien m'apporté du tout. Attends, ça c'est une blague, ça m'apporte rien, je crois. Ça a allumé la lumière en face. Cool. Mais bon. Est-ce que c'est... Attends, il n'y a pas une plaque... Ah, mais il y a encore des plaques là-bas. Ouais, donc c'est une histoire d'objets à placer, à lancer. Il faut mettre les pierres de façon adéquate à pouvoir se mettre en face et pouvoir lancer. Donc là, par exemple, il y a une plaque qui est là. Donc dans l'idéal, il faut placer les briques ici, les gravity stones comme on dit, de façon à pouvoir se mettre en face et on joue à Tetris. Mais heureusement que j'ai pas de... Enfin j'ai encore des objets à lancer sinon on serait mort. Et encore je sais pas si je vais pouvoir lancer des trucs. Ah là, ils sont en train de starving, putain. J'ai plus rien à manger, c'est la fin, haricots. Donc là... On voit la plaque là-bas. Et on lance un shuriken. Et voilà, nous pouvons placer désormais la Gravity Stone du milieu. Et voilà, c'est bon. Bon, on aura réussi à finir l'énigme de façon légite à 90%. Que j'avais bien fait le cheminement, qui aurait deux plaques. Sauf que la deuxième, j'avais pas trouvé. J'ai, yeah, et voilà, c'est bon. Alors on va se faire attaquer par la mouche, non? Je pense que la mouche, elle va débarquer. Voilà. Ouverture du mur de la mouche. Putain, la saloperie. What the fuck? Il y en a plusieurs! Je
Quel enfer! C'est bon. On est débarrassé. On peut donc repartir avec nos objets à lancer. Puisqu'ils ne servent plus à grand chose. Waouh! Attention, nous avons une super. Une Great Axe maintenant. Et bah, c'est utile de garder les choses dans son inventaire parce que si t'as rien à lancer, tu peux pas résoudre les choses. Donc je suis en vie, et bah tu mets le squelette, c'est tu n'es pas en vie, et donc l'ogre représentera je suis le plus fort. Donc la Great Axe. Waouh, les dégâts de malade qu'on fait. Avec la Great Axe, vous avez vu les dégâts? On fait du 49-136. C'est magnifique. On va remettre le petit kunai là, ou je sais plus comment ça s'appelle ça. Là. T'as ça dans Diablo 2? Avec l'assassin. Au niveau de l'exploration, donc c'est ici qu'avait été ouvert le mur où il y avait les guêpes maléfiques. Rien à prendre. Et là, non plus. On peut partir chercher l'objet suivant. Ah bien qu'il y ait un passage par là. On n'est pas allé. Ah, c'est là aussi où s'est ouvert quelque chose. Avec le Black Miss. On part d'ici. Quelle heure est-il? Déjà 20h. Bon, on va juste finir l'ogre et puis on arrêtera. Parce que demain, il est possible que je me lève plus tôt. Parce que s'il y a de la neige, je dois aller au boulot à pied. Donc j'ai plusieurs kilomètres à faire dans la neige. Alors, ouverture d'un secret avec du pain. Ouais, avec de la bouffe. Et également une torche. C'était une cache utilitaire. Cool. Oh, c'est quoi ça? Ah, il y a encore une mouche. Ah non, c'est pas une mouche. Ah merde, je lui ai donné de la vie. Shit. Putain, mais c'est fermé derrière moi, comment ça se fait? Putain, c'est bizarre, c'était fermé derrière moi. Ah ouais, c'est une échelle. C'est quoi ce bruit? Ah, il y a encore une petite wyverne. Ouah, c'est quoi cette salle? Nous avons une énorme salle. Oh la vache, ça tire comme une mitrailleuse. Non, faut pas que j'utilise ça. Merde, j'ai pas une potion de santé là. Voilà, une potion. On va les préparer. Ah non, out of energy, pourquoi? Putain, je peux pas préparer la super attaque de l'axe là. Allez, on est prêt. Un dégât de 31. Out of energy, là, chaque fois. Conan, 42. Mais trop fort, le Minotaur, il commence à faire des dégâts. Énorme. Et attention, niveau accuracy au max. Il doit avoir, il a précision de combien maintenant, je sais pas, mais ça va être énorme. Accuracy de 52, alors que l'autre il a une accuracy de 32. Damage 10-31, damage 50-137, critical de 8%. Eh mais si je lui montre son pourcentage de critique, on peut aller très très haut. Avec le critical, c'est quoi? Critical hit de 3% par chaque skill.
3%, ça fait plus 15%, on peut faire 15 plus 8, 23, on peut avoir 23% de critique. Et mais après, il faudra peut-être plus de l'armure. Mais en tout cas, on va monter le critique ou l'armor. Je pense. J'ai. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai une notification YouTube. C'est quoi? Ah, bien joué, c'est pas mal pour retrouver des vieux trucs. Est-ce qu'il y a des pouces rouges ou pas? Pouces rouges. On est en quoi sur la dernière vidéo? Pouces rouges de 9. Pouce bleu, 23 vers le haut. Ça ressemble au chantage de la sex tape. Ok. Très bien. Oh, j'entends des... Mais ça sert... Les gens mettent des pouces rouges, ça sert à rien. Par contre, ça fait... Nous sommes à 6400 vues en 3 heures. Très bien. Bon, non monétisé. Comme c'est un truc un peu chaud. Alors, on retourne sur Grimrock. Je sais qu'il y a une autre wyvern. Elle est juste là. Est-ce qu'elle va descendre ou pas? Vas-tu descendre, cher Wyvern? Non, elle descend pas, pourquoi? Peut-être parce qu'elle peut pas accéder à ma case. Oula, il y a du slime en bas, regardez. Il y a une lueur verte, je pense qu'il y a un slime en bas. C'est l'air d'être une pièce avec des pièges un peu partout. Surtout des ennemis. Donc je vais save et on va descendre. Et ça va être tendu, je pense. Allez, on y va. Là, il n'y a aucun retour possible. Je suis dans des couloirs. Je vais attendre qu'elle descende, la wyvern. Elle descend ou pas? Voilà, elle est au-dessus. Le slime, il vient pas par là. Elle descend. Elle descend pas. Pourquoi elle descend pas? Oh! c'est Ghostbuster! Faut mettre la musique. Musique? Génial. On va chasser du slime. Musique, s'il vous plaît. Voilà, musique. Voilà. Salut RM4. Ghostbuster! Oh! Ghostbusters! Je recherche le slime. Là, il y a un slime là-bas. Ghostbusters! Non! Ectoplasme! L'ectoplasme! Capture-le! Oui, voilà, excellent. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Là, on voit une puissance exacerbée de la part du Minotaur. Il fait des dégâts énormissimes. Je pense qu'on... Oh, c'est pas fini.
Par contre, j'ai plus de mana. Comment on va faire? ...76. Merde, c'est pas ça. Mais il est perdu, le slime, quand je bouge pas. C'est bizarre, regardez-le. Où il danse. Il danse sur la musique. Il faisait une chorégraphie. Gauche. Regarde, il est encore en train de danser, peut-être. Voilà, c'est bon. Il est en train de danser, vous avez vu? Ça le stimule. Ghostbusters. Bon, nous sommes passés. Donc je pense qu'on va remonter au niveau 1. Non, on monte au niveau 2. Mais je me dis, il n'y aurait pas une loose rock là. Je vais regarder les murs. Tiens, je me demande si j'ai pas désactivé la musique sur ce jeu. Mais si, regardez, musique et ambiance en fait, j'ai pas mis. Enfin, il y en a. Oh bah, tu m'étonnes, il y avait même pas la musique. On n'avait pas l'ambiance. Tu m'étonnes que c'était un petit jeu, tu vois, chill. Là, il y a un petit peu le... Eh, remarque, quand t'es dans un donjon, il n'y a pas de musique d'ambiance, hein, il y a pas de choses comme ça. On est moins immergé. Je préfère jouer sur l'ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est plus immersif. Voilà, hop. T'as pas de son comme ça dans un donjon. Là, tu ressens le côté le plus solitaire. Mais elle est partie où, la wyvern? Le pass, le chemin de l'aigle. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en haut? Ah, faut descendre là, apparemment. Wow! Non, attends. Oh non! Je suis tombé! Faut que je remonte. C'est où? Non! Oh, le réflexe. Mais je suis où? Je suis perdu, mon cher ami. Ah, voilà. Ici, l'échelle. Échelle numéro 1. Échelle numéro 2. Là, l'idée, c'est de descendre là. D'aller en face. Bah non, ça donne rien. Ah, oh, c'est pour trouver des shurikens. Mais ça sert à rien, en gros. Je crois que ça servait à rien. Enfin, il y a un truc, il y a un passage en bas là. Comment est-ce qu'on... Faut peut-être que j'aille là. Faut que je trouve comment aller en bas là. Comment est-ce qu'on y va? Ça reste fermé. Il y aurait peut-être une loose rock qui pourrait ouvrir ça. Je me demande bien. Je vais regarder la soluce s'ils me disent quelque chose là-dessus. Alors. Ah, voilà. Alors, pour aller en bas. Tac, tac, tac. C'est 11-1, ils nous mettent 11-1.
Dans cette pièce, vous devez aller tout en haut et après suivre les carrés bleus pour avoir la figurine. Ah, donc c'est un labyrinthe pour avoir une figurine. Il faut suivre le chemin de l'aigle. Il faut faire une sorte de S. Il faut aller jusque dans le coin. Ah, d'accord. En gros, je dois tomber dans cette zone-là, de ce que je vois, moi. Ah non, c'est même pas là. Bah, c'est où je suis, pourtant. La figurine, elle est... Elle est là, où je pointe, là. Elle est là, la figurine. Ils disent qu'elle est là, la figurine. Je la vois pas. Ou elle est tout en haut? C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de figurine. Ah, peut-être qu'elle apparaît si je fais tous les... Ah si! Ah non, la figurine... Attends, j'essaie de comprendre, mon cher spectateur. Dans cette room, vous devez aller au top. Bah, je vais retourner tout en haut. Et puis, je vais faire leur chemin. J'ai du mal un peu à saisir. Normalement, il doit y avoir une figurine par terre que tu dois placer ailleurs. Mais il n'y a pas de figurine. Ils disent, vous allez tout en haut. Je suis tout en haut. Et vous suivez le chemin de l'aigle. Et le chemin de l'aigle, il part de où je suis. Et tu vas tout droit. Non, mais putain! Il y a un truc... Comment tu peux savoir ça? Et comment tu peux savoir qu'il y a un truc invisible qui va apparaître? Non, mais ça, c'est abusé. Comment tu peux savoir ça? Non, mais c'est tiré par les cheveux, il n'y a pas d'indice. Voilà, en chemin de l'aigle, tu dis tu vas flotter effectivement et t'essayes. Et par défaut, tu trouves un chemin. Je pense que c'est ça. C'est une énigme encore. Sémantique. Et donc, ton chemin, il est là. Ah oui, mais sur la carte, en fait, le chemin est tracé. Une sorte de chemin, là. Et ce chemin ne correspond à rien par rapport à la carte. C'est une illusion d'optique. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué comme truc. Regardez, je suis le chemin. Là, on va suivre de ce côté-là. C'est ça. Alors qu'il n'y a pas de logique, si ce n'est au niveau de la carte. Ensuite, on va tout droit jusqu'au prochain croisement. Voilà. Alors qu'en bas, il n'y a pas de mur. Après, on tourne. En fait, on suit le chemin. Le couloir qui est sur la carte. Et le couloir, il est là. C'est pas mal, franchement. Putain, je trouve que c'est pas mal du tout imaginer ça. Franchement, c'est super. C'est super comme truc. Ouais, je dis chapeau d'avoir fait ça. Très bonne idée. Donc là, on a récupéré la figurine de l'escargot. Et on a fini le tronçon. Franchement, c'est pas mal. C'est très bien imaginé d'avoir fait une superposition de la carte. Franchement, l'originalité, je salue. Par contre, il faut sortir de là maintenant, je sais même plus où est-ce qu'on sort. Alors, où est-ce qu'il est la sortie de cet endroit? Faut remonter, je crois, en plus. Par contre, ça reste fermé. Hein. Je sais pas comment est-ce qu'on fait. Je peux éventuellement regarder.
Non, bah, y a pas de... Sur la soluce, il n'y a pas de mention pour dire qu'on peut l'ouvrir. Bon, faut que je parte de là. Comment est-ce qu'on fait? Faut peut-être que je remonte d'un étage. Ou deux. Alors, comment est-ce que je sors de là? La sortie, elle est où? Elle est là-bas. Merde. Peut-être que je reprenne le chemin du serpent, là. Eh, mais le chemin, il n'est plus là? Il n'y a plus le chemin? Ah non, mais je suis de l'autre côté. Je suis monté de l'autre côté, là. Je dois pas aller de l'autre côté, faut que j'aille là-bas. Mais comment je fais pour retourner là-bas? Comment je vais faire? Merde. Comment je fais, moi? Merde. Oh non, je suis bloqué. Oh non. Je suis bloqué. Comment je fais pour retourner en arrière, moi? Ah, faut que je vais reprendre le chemin de l'aigle dans l'autre sens. Mais non, mais il est plus là. Je suis bloqué. Peut-être mettre quelque chose à la place où il y avait la figurine. Parce que s'il n'y a pas le... Comment je vais faire, moi? Bon, on va voir. Non, bah ça y est, je me suis blessé. Bon. C'est lamentable. J'ai la figurine dans la poche, mais je sais pas comment revenir. Ah bah tiens. Je suis tombé quelque part. Peut-être par là, je peux rentrer chez moi. Bah non, c'est pareil. Y a pas une loose rock qui pourrait me faire... Parce que je venais d'en face et je suis descendu. Putain, je sais plus où la sortie, c'est horrible. Au pire, je vais arrêter là et puis. Et puis. Il n'y a même plus le chemin. Et puis, je chercherai en off. Là, je suis vraiment paumé. Est-ce que je dois revenir là? Comment est-ce que je fais pour remonter? Eh ben ça, j'en sais rien. Ah si, par là. Mais sauf que pour accéder là... Putain, la galère. Il y aurait le chemin invisible encore, il serait très cool, mais il n'y est plus. Non, parce que là, ils ont fermé, en fait. La porte, elle s'est fermée pour... Comment je fais pour rentrer chez moi? Alors voilà, ils disent, quand vous l'aurez, vous devez utiliser un autre chemin pour rentrer parce que si vous sautez, la porte sera fermée. Il faut reprendre un chemin à travers l'air pour la débloquer. Oh non, il y a une combinaison. Le chemin de retour. Mettez-vous devant... La dalle, avancez une fois, allez à droite, tout droit, à gauche, tout droit, à droite, en arrière,
À droite, tout droit. Mais non, mais comment tu sais ça? C'est nul, ils ont tout gâché, là. Putain, ils ont gâché le truc, je trouve. C'était super bien pensé, ils nous gâchent la chose avec une sorte de code, là. Alors, mettez-vous next to the plate. Donc, devant la plaque, appuyez sur droite. Devant. Gauche. Devant. Droite. Devant. Droite. Merde, je suis où ? Enfin, droite. Arrière. Droite. Devant. Gauche. Devant. C'est abusé. Comment tu peux, à part faire du die and retry, tâtonner dans le vide pendant peut-être une demi-heure pour essayer de noter, tu peux pas trouver. C'est un peu trop punitif, là, je trouve. Je trouve qu'ils ont un peu abusé. C'est ça. Mais c'est un peu abusé. Parce que déjà, faut trouver l'énigme avec la mini-carte. Après, bon, c'est un jeu qui est, je trouve, en l'essayant, enfin, en le parcourant de plus en plus, c'est un jeu qui est plus proposé pour les gens qui sont habitués au donjon. Donc, ils ont mis à quelque chose à la hauteur de ces gens-là. Alors que le Grimroquin était plus... le Grimroquin était plus grand public afin de démocratiser le retour du genre Dungeon Crawler au niveau du grand public. Là, c'est plus un jeu qui était vraiment destiné, je dirais, aux expérimentés du genre. Bon, bah c'est cool, je vais m'arrêter ici. Une heure et demie de stream. Putain, c'est passé vite. Une heure et demie de stream, enfin 1h25. C'est passé super vite. On se retrouve demain. Domani, même heure, peut-être un peu plus tôt, on verra. Peut-être 18h30. Là, j'étais un peu en retard, je sais plus pourquoi. Trop vite sur Grimrock. Mais je trouve que c'est plus agréable de le jouer sans le son d'ambiance qui vient un peu rajouter quelque chose de lourd, je trouve. Là, avec la musique d'ambiance, je trouve que c'est trop, quoi. Il y a besoin de ça. Pourquoi rajouter... Là, on est bien comme ça. Là, le silence... Le petit feu qui crépite. T'es dans un donjon, t'es tout seul avec ton équipe. Y a pas à rajouter des musiques comme ça. Regarde. T'as vu? En tout cas, je préfère comme ça, quoi. Donc, je remercie les gens qui étaient présents sur ce live ce soir. Le Diablo 2, quand j'aurai fini Grimrock, c'est un jeu... après c'est oppressant, ouais, c'est sûr. On remercie les gens qui étaient là ce soir, qui étaient présents. Merci au Sim, merci au Smilly. Merci au Rage. Merci à Kenny TV, à Roomcat à The True en VIP. Merci Diabrax. Merci Idelara, T-Bag, Zero Philo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous follow si jamais vous ne voulez pas rater les prochains streams. Et on se retrouve demain, pareil, vers les 19h. Enfin, c'est 19h, 19h05. Et si je peux, je commence plus tôt. On va voir si quelqu'un a raid ou pas.
Je vais envoyer chez Bafulio. Bafulio qui fait du Walking Dead. Bafulio qui est bien sympathique. Tchuss, yeah. Et bonne soirée. Et à demain.